tout le monde. Je suis dans la tête dans le volant là. C'est pas grave. On est jeudi 17 octobre 2019. Il est 6h27. Je suis partie déjà. Je suis partie il y a 2 minutes. Il fait 10 degrés. Il pleut pas. Enfin, il pleuviote, mais légèrement. Il a plu toute la nuit. On s'est détrempé par terre. Il y a eu un vent de fou hier soir, cette nuit. Ma chaise a encore virevolté. On n'a pas de place pour les, enfin, pour les ranger dans un cabanon. On a des cabanons, mais il y a déjà plein de trucs dedans. Et ce qu'il fait David des fois, c'est qu'il les attache autour de la table avec une ficelle juste autour, et c'est comme ça, ça tient. Mais bon, là, en ce moment, j'arrête pas de les ramasser, puis je crois qu'on a de la place par terre, donc je les ramasse plus. Quoi. Ça sert à rien. C'est inutile. Inutile. En fait, ces chaises-là, elles sont hyper légères. Elles sont super bien. Enfin bref. Donc voilà, c'est pour vous faire le petit point météo du jour. Donc je sais pas ce que ça va donner la journée. Il fait 10 degrés, donc il fait pas froid du tout. Mais je sais pas si il va y avoir le grand vent, la pluie ou pas, ou le soleil ou quoi. J'ai vu un truc passer sur Instagram. C'est Addict Amy qui a mis ça. Camille, l'automne, c'est le matin tu te croiras en hiver, le midi tu te croiras en plein mois d'août, et le soir tu te croiras au mois de janvier. C'est assez représentatif parce que des fois. Et des écarts température entre le matin, le midi et le soir. Bon, là ça va à peu près, hein, 10 degrés le matin, c'est correct. Hein. C'est bien même. Quand je pense qu'il y a 15 jours, 3 semaines, il y avait 1 le matin. Et je me suis dit, ça y est, c'est foutu, c'est l'hiver. Mais non, c'est l'automne. Ce qui est le plus chiant, c'est le vent, la pluie. Le vent, ouais. Le vent, j'ai l'impression cette année, enfin depuis. Enfin, toute l'année 2019, je vous ai parlé que du vent, que du vent, que du vent, que du vent. Que du vent, 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 que du vent. Je vais faire chanteuse, et c'est The Voice. Bref. J'ai l'air en forme, mais je suis claqué. J'ai juste l'air en forme. Allez, c'est parti. Mon kiki, j'en prendrai un de ces quatre. Et voilà les amis, je suis à la maison. Je vous ai parqué en voiture en repartant parce que... Parce que voilà, il est 5h moins 10. Je suis arrivée à 16h30, donc voilà, aucun problème sur la route pour revenir. C'était bien cool. Voilà. Demain, grosse journée parce que je fais 17h. Je tenterai bien de me lever un peu plus tard pour partir plus tard, mais j'ai un doute quand même. Aujourd'hui, c'était encore beaucoup de boulot et tout ça, c'était super intense. Cela dit, je suis moins fatiguée que ce que je pensais. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai bien dormi cette nuit. Donc ça, c'est cool. Je sais pas encore ce qu'on va manger ce soir. Comme toujours, j'ouvre mon frigo, il n'y a rien dedans. Il y a des cordons bleus et puis je vais faire de la semoule. Encore une courgette, mais je trouve la flemme. Et dans le garage. Parce qu'en fait, dans le garage, on a une grande armoire avec... un peu tout, des conserves, du maïs, du jus de Bruxelles, du ketchup, des épinards, du thon, des filets de maquereau à la terme. C'est génial. C'est génial. Donc je crois que ce soir ça va être ça. Cordon bleu pâte. C'est cool. Hein. Je pense que je vais cumuler 2 jours là. Aujourd'hui et demain, comme vous allez pouvoir le constater. Donc vous aurez un bout de ce matin dans la voiture, là, et un autre bout dans la voiture demain matin, et un autre bout le soir. Enfin, un truc qui sert à rien. C'est pas grave. Ça sera comme ça. Et puis c'est tout. Allez, à plus. Hello la compagnie, nous sommes vendredi 18 octobre 2019. Ce soir, c'est les vacances scolaires, dis donc. C'est un truc de ouf. Alexis est super content, super pressé. Voilà. Donc cette semaine, enfin, la semaine prochaine, donc, il est avec moi. Et la semaine d'après, il part une semaine avec mes parents en Bretagne. Voilà. Donc il est content. Ça va lui faire du bien. La première partie de... la première partie du trimestre, allez, au collège, s'est bien passé. Beaucoup mieux que l'année dernière, ça n'a rien à voir. Espérons que ça continue de s'être lancé.
vous n'avez peut-être pas tout dit l'année dernière, mais c'était pas forcément très rose. Loin de là, c'était plutôt noir, sombre, dark, tout ce que vous voulez. Et du coup, là, voilà, il y a du beaucoup de mieux, même vraiment beaucoup de mieux en comparaison. Tout n'est pas simple non plus, je dis pas que tout est génial. Mais voilà, je suis plutôt contente. Même, je suis contente pour lui, parce que c'est pas facile quand ça va pas. Et je suis contente pour moi, parce que c'est pas facile non plus quand ça va pas. Donc voilà, donc c'est plutôt... c'est plutôt, comment dire... Ah, je trouve pas le mot, enfin c'est... Ah merde! Je suis plus sereine, quoi. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de bleu, il y a machin truc, pas de truc. Du coup, je vous ai pris hier matin, hier soir, un coup dans la nuit, un coup dans le plein jour. Je vais peut-être l'appeler jour, nuit, s'il vous plaît. Jour, nuit, comme dans les visiteurs, la lumière. C'est pas mal. Jour, nuit. Ce matin, alors, oui, donc aujourd'hui. Ah oui, alors. Donc c'est vacances, je voulais en arriver là en fait, c'est que du coup ce soir c'est les départs en vacances. Alors, en fait, tout le monde ne part pas en vacances, mais du coup dans la région parisienne, c'est brûlé les bouchons à mort. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je dois finir à 17h, donc je suis vénère, pomme de terre, croquette si tu regardes. Et donc je suis vénère. Je me dis ce soir, en finissant à 5h, il y a déjà plus de monde. Mais en plus, avec les départs en vacances, ça va être costaud, quoi. Parce que là, j'ai entendu à la radio, il est 6h35 avec les infos qui viennent de passer, qu'à partir de 14h, parce que bon, je sais, il y aurait du monde. Donc voilà. Bref, c'est génial. Il me semblait que je voulais vous dire autre chose. Ah oui, enfin oui, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. C'est que ce week-end, il va falloir que je vide ma voiture, celle-ci. Que j'enlève les sacs, derrière j'avais une couverture au caisse d'où. Je vis tous les vide-poches. Tous les vide-poches, bah, les grattoirs, les machins, tout ce qu'on peut mettre dans les vide-poches quoi. Des mouchoirs, des gants plastiques. Enfin, ouais. Un milliard de trucs dans les vide-poches. Donc il va falloir que je fasse ça ce week-end. Puisque je vais tout mettre dans un grand sac en fait. Sac de course, puis je trierai à la maison, puis je me trimballerai le grand sac parce qu'il y a des trucs il y a des trucs que enfin, je remets dans ma voiture, hein, genre le grattoir, le disque là, vous savez, pour se garer, des mouchoirs, enfin, j'ai un antibactérien, enfin bref, un truc, mes sacs de course. Donc ce week-end je vais faire ça, donc ça va me prendre 10 ans, mais ensuite tout et moi généralement dans mes vide-poches par contre il n'y a pas trop de trucs à acheter, enfin je ne mets pas des mouchoirs, enfin si je mets des mouchoirs, j'ai un sac plastique, j'ai le chiffon là pour essuyer les vitres, enfin des petits trucs qu'on a tous quoi, un parapluie, je le vois là-bas, bref, donc j'ai tout un tas de trucs à vider, donc voilà. J'ai hâte de faire ça. J'ai hâte. Aujourd'hui, c'est le dernier trajet de ma voiture. Je vais peut-être l'appeler comme ça mon vlog. Dernier trajet à Boulogne. Donc, vous allez croire en voyant ça que je ne travaille plus là-bas. Et que je suis revenue où j'étais. Je dis n'importe quoi. Je vais voir. Jour, nuit ou dernier trajet à Boulogne. Et puis, ça se trouve, j'aurais complètement oublié ce soir. Donc, je l'appellerai autrement. Je l'appellerai vendredi. Bref, donc oui, aujourd'hui, ma voiture, là, ma Scénic, c'est son dernier trajet à Boulogne. Enfin, pour l'aller, ce sera ce soir pour le retour. Mais c'est génial. Donc la première semaine, là, voilà. Et après, la semaine d'après, j'arrête avec la cap tour. Vous savez que je vais stresser, hein. Parce que, elle, là, je m'en fous. Je la connais par cœur, je sais où elle passe, elle passe pas. La Scénic, elle a à peu près la même taille. Hein. Légèrement plus petite, mais pas beaucoup. La Scénic, la capture. Et du coup, putain, mais je me fais chier, ça va être la galère. Et en fait, merde, je voulais dire. Oui, vous savez là, bon, je me faufile. Enfin, voilà, j'ai pas trop.
Là, j'ai peur qu'on me l'arrête, qu'on me rentre dedans. Enfin, bref. Elle, je m'en fous. Enfin, tellement abîmée que. Bon, je vous laisse parce que c'est déjà beaucoup trop de temps dans le noir. Les amis, il est 16h07. La bonne nouvelle du jour, c'est que mon chef m'a dit que je pouvais partir à 16h au lieu de 5h. Ce qui m'arrange fortement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, avec les départs. Enfin. Avec les vacances. Bon, putain. Avec les vacances scolaires. Ça risque d'être blindé. C'est incroyable, ce bazar. Donc, ils l'ont dit aux infos ce matin. Allez. Et donc, voilà. Et je préfère partir à 4h qu'à 5h. Ça risque quand même d'être blindé. Enfin, je verrai. Ce matin, du coup, sur la route, c'était tempête. Honnêtement, grosse tempête de vent, de la pluie à mort. Et j'ai mis presque une heure en fait. Voilà, ça c'est. Après ça s'est arrangé. Maintenant il fait beau, il y a toujours du vent, mais il fait beau. Et quoi d'autre? Oui, et donc là, bah, ça risque d'être l'enfer pour rentrer. On va voir combien de temps je mets. Voilà. Ça se trouve, ça va bien se passer. Donc il est. Voilà, on va voir. Je croise les doigts parce que. Je suis tellement crevée. Mais je suis contente que mon chef m'ait autorisé à partir à 4h. Donc là, je suis au feu rouge. Il y a des voitures dans tous les sens, c'est incroyable. Enfin bref. Et je rentre et je vous reprendrai peut-être chez la maison. Donc j'ai mis une heure. Voilà. Ça, c'est fait. C'était horrible, putain. Une heure, putain, c'est. Il y en a qui font ça tout le temps, mais c'est un peu lent. C'était bouché. En fait, toute la route, j'ai roulé au pas. Quoi. Par la dernière portion. J'ai super soif. Comme d'hab, j'ouvre mon frigo. Je vais me boire un coup d'eau. Et puis ce soir, bah, c'est repos, repos, repos et repos et repos. Comme ça, c'est tranquille. Je pense que je vais pas faire plus long ce soir. Ça va pas être terrible, hein, tout cet ensemble d'hier et d'aujourd'hui, mais bon. Vous avez l'habitude. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. À demain, j'espère. Je sais pas ce qu'on va faire ce week-end. À part qu'il faut que je vide ma voiture, mais sinon, je sais pas. Bref, ciao.